Salut à tous, c'est Rosalit, on se trouve pour l'épisode 5, il me semble du moins, de Crash Bandicoot, voilà. Mais Crash Bandicoot 4, donc voilà. Du coup là, la dernière fois on avait visité une espèce de dépotoir, voilà, mécanique, voilà. On avait rejoué Coco, voilà, là, du coup je rejoue Crash, voilà. Et on avait battu une Jean, voilà. Le masque qu'on voit là-bas, juste devant le château fort. Et il s'était sauvé, puis il arrive là. Donc là on est sur une île pirate, donc univers pirate. On avait vu, c'était présent dans Crash Bandicoot 3, donc avec une voix de Coco dans... Voilà, dans Crash Bandicoot 3, ouais, avec des niveaux en jet ski, voilà. Donc voilà. Donc, après, vraiment, explorer les niveaux pirates comme ça, on n'a presque jamais eu, à part dans Crash. Dans Crash Tier, Team Racing, voilà, où on se balait dans un parc, et voilà, et puis on pouvait finir les voitures entre eux, voilà. Qu'on se joue moins de paroles. À cause de nos pirates, voilà. Donc j'ai vu une vidéo, voilà, de tous les skins ce qu'il y a. Donc il y en a des pas mal, non. Dans la bande-annonce, j'avais vu qu'il y avait un skin, voilà. Dans la bande-annonce, il y avait un skin des premiers Crash, enfin, des versions originales de Crash, voilà. Comme c'était le cas pour Crash CTR Team Racing. Attention à ces nouvelles caisses, donc des caisses qui ont du feu, voilà. Faisait pas peur les pirates. Je vois One Piece. Ah, on a affaire à Devin Jones. C'est moi ce qu'on appelle le bazooka. Là je l'avais pas vu quand même sur lui. T'as les choix à faire lui. À tuer du moins. Du coup, j'ai broqué une pour avoir la gemme de la mort. J'ai broqué 3 morts. Maximum. Avec les 3 morts maximum, je trouve que c'est un peu abusé. Parce que vous pouvez vraiment mourir 3 fois sur des trucs bêtes. Hein. Là je suis mort pour un truc un petit peu subi parce que voilà, c'était un peu trop près du bord et je suis tombé.
même pratique d'avoir ce système de petits serpents en dessous. Là c'est abusé quand même. Bon, cela si vous savez comment les tuer, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Je vous demanderai à mon ami de trouver dans les jeux vidéo. Que vous me ramène dans les jeux vidéo, on va dire. On va décliner, voilà. Sur la tête, et ben évidemment. Alors je sais pas pourquoi les cassettes sont transparentes et j'arrive pas à les prendre. C'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait des caisses. Dans la tête, il faut avoir une version spéciale ou un pouvoir spécial pour les avoir, certaines cassettes. C'est que les trucs on les voit au dernier moment, c'est un peu dommage. C'est un peu normal que je connais pas. Merde. Mince, pardon. Ça, c'est pas ce que... J'aurais été hyper pas doué pour les contrôles à montre sur ce jeu-là. Ils ont voulu faire un système limite de mort pour avoir une gemme. C'est pas mal, mais 3 ça suffit pas. Je l'ai dit au début, 3 morts maximum ça suffit pas. Donc faut avoir un jet pointe qui n'a pas trop difficile à faire pour. Pew!
laver le truc par contre. Voilà, le masque il va pas beaucoup. Il va pas beaucoup m'aider, on va dire. Et puis ce qui m'embête, c'est que je n'arrive pas à mettre ici. J'arrive pas à mettre des vidéos en ligne. Puis ma PS4. C'est terre, hein, bien sûr. Mais là. Il y a une nouvelle mise à jour. Une nouvelle mise à jour qui s'est fait, puis je ne sais pas. Je sais que c'est arrivé aussi avec YouTube il y a quelques mois, il y a quelques années ou quelques mois. Et merde. Et pendant un temps on pouvait plus faire de mise à jour, on pouvait plus rentrer son compte sur YouTube, si on avait une chaîne YouTube bien sûr. Et il a fallu attendre une nouvelle mise à jour avant pour que ça se passe. Putain mais. Hyper dur, je trouve assez dur le jeu. Les autres c'était aussi dur, mais que je veux te dire. Merde. Faudrait une fatigation s'il vous plaît. Avoir un trophée le maximum de fait un certain nombre de morts, atteint un certain nombre de limites de morts, je pense que je l'aurais eu depuis le début du jeu quand même. Enfin, là c'est comme le début du jeu là. Pas mis une petite indication pour dire voilà il faut tourner. Bah non, ça aurait été trop facile pour le jeu. Mais je quand même de les développeurs, c'est un jeu pour quand même pour c'est un jeu quand même qui est marqué et fait un peu pour les enfants. Le bon point de ces trucs là, c'est que le scratch là, avoir un compteur de mort, on ne meurt jamais, on fait jamais de game over. Ça c'est une amélioration dans le jeu vidéo, franchement. Vous vous laissez passer un niveau, vous perdez tout le temps vos vies, c'est un peu chiant. Merde. Putain mais c'est chaud quoi. Par contre c'est dommage qu'on peut pas faire marche arrière sur les cordes, on a pu voir ce que c'est. Enfin, je mets du temps à comprendre les effets de mon David Jones de Pierre des Caraïbes à tuer. C'est simple pour leur sauter dessus.
certains qui ont passé le niveau assez facilement, ils vont dire je suis nul. Un peu on va dire, mais voilà. Bon, la personne qui fait les youtubeurs qui arrive à faire le truc en un coup sans se foirer, franchement il est fort. Ça existe des youtubeurs comme ça. Oh putain, j'en ai marre quand même. Bon, je vais essayer d'avance, si j'arrive pas, ben je laisse tomber. Hein. J'aurai les troisièmes avec les fruits, voilà. Parce que c'est bon. Hein. C'est pas non plus là pour faire le 100% avec vous. Hein. Enfin, un petit peu on va dire, mais voilà. Ah voilà là. C'est chaud quand même. Il y a deux chemins, je sais pas lequel qui est le bon. Je sais pas lequel que c'est. Je sais pas s'il y a un chemin. Hop. Je m'amuse à casser avec le petit test vu que là c'est pas. Ah j'ai trouvé la gêne. Ah non c'est la gêne. C'est la gêne commandée. Merde. Bon j'ai peut-être cassé le joint pour moi. Non mais je... Putain mais je rêve sérieux. Je
passer sur la plateforme. La plateforme, hop, je saute dessus, elle commence à partir et je glisse. Putain, mais... Merde. C'était bien. On a des trucs à faire quand même, qui sont assez chauds. C'est chaud. Je suis bientôt à la fin du news, que là j'en peux plus. C'est bien que le travail vient ici. Bref.
sur la plateforme de vent. Il a fallu que je me plante, putain mais... Et des fois je me demande comment ils sont pris les développeurs pour les sauts. Vraiment un jeu vidéo tout le temps c'est les sauts et puis les corps sont bugs qui sont pour les aussi. Je vais me cacher évidemment. Oh, bon. Je suis mort parce que je l'avais évité. Parce que je sais pas si je l'ai trouvé, mais bon. Je ne sais pas, je ne sais pas. Putain, j'ai vu ce Nikon se cracher. Même le niveau était quand même sympa. Pardon, excusez-moi. Oula. Ok. Je crois savoir qui c'est vu les bonnes annonces, mais je vous dis rien si vous n'avez pas vu le jeu, vous n'avez encore vu, ou si vous voulez vous garder la surprise. Voilà, le chargement c'est long. Ouh là là là, oh oh oh.
Tenez bon les gars, j'arrive. En tout cas, elle a l'air de connaître cracher. Oh, elle donne des coups de pied. Ah. Oh, ça rappelle un peu ce que faisait, ce qu'on faisait avec Ina. Oh, ah ben déjà, c'est pas bien compliqué. Ok, à trouver. Sympa. J'aime pas les rats. Déjà. Moi, avec le fait qu'on voit les gemmes, voilà, ils sont présents. Thank you.
après la moitié du temps de la merde avec. Saute sur la caisse. Peut-être un autre moyen de la voir, c'est une caisse. Voilà, moi c'est fait. Peut-être la brise d'un côté de la caisse. Mais j'ai appuyé quand la touche a fait afficher, bon sang. Qu'est-ce qu'on est ? Mais saute sur la caisse, bordel de merde ! Putain, mais... Ils ont mis des caisses comme ça leur casé. Ils savent très bien que c'est des caisses. Qui se cassent assez facilement. On peut pas rester dessus. Après là j'ai réussi à les voir. Ça aurait dû être des caisses encore. Il aurait dû être ici des caisses en bois ou
vous juste une rampe comme ça. Mais non, là, il faut utiliser une FD au-dessus. Mettez pas trois armes sur mon jeu de vie pour avoir les gemmes. C'est vraiment trois creux. Voilà. Et il a fallu que je me foire sur la corde, mais bordel. Mais donnez-nous la possibilité de réactiver le truc. Si vous activez, le n'est pas au bon moment sur le truc, vous êtes foutu quoi. Attends, c'est les nouvelles associations d'infogrammes. N'importe quoi, on y arrive, hein. Mais... ça serait sympa d'avoir un chat. Cible en visuel. J'ai juste à la fin. J'ai déjà envie d'avoir un remake avec des trucs corrigés quand même, une extension spéciale parce que putain là tu remontes à compter. Là t'as la ce personnage il a apporté son grappin quand ça y arrange, et aussi que les sauts. Putain non, c'est un effort pour que je... merde. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Mais Donna, mais tu es différente. Ah, je sais, tu ne viens pas de notre univers. Contente de vous voir, les gars.
Ça faisait longtemps pour moi. On a perdu le contact dans votre univers aussi, hein? Oui, on peut dire ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On est mort, c'est ça? Non, non, pas du tout. Alors, comment ça va dans ta dimension? Comme d'hab, un tas de savants fous qui veulent dominer toutes les dimensions. Oh, et qu'est-ce que tu cherches? Des cristaux? Des gemmes? Des masques. Oh, super. Bon, bah bonne chance alors. Attends, tu ne viens pas? Désolée, je vole en solo. Mais je te donnerai un coup de main à l'occasion. D'ailleurs, je l'ai déjà fait. Alors là, on a eu affaire à Tona. Mais ce n'est pas la Tona qu'on connaît, en fait, du premier Crash, et voilà, que Crash devait sauver dans le premier opus, voilà, qui avait disparu après du deuxième au troisième, voilà. Elle était juste fait son retour dans Crash Zero Cinquième Racine, donc le personnage, voilà. Et voilà. Voilà, c'est ça, voilà. Voilà, voilà, juste pour faire la présentation des enquêtes gagnées, voilà, en gros. Et après, en gros, comment dire, elle était pas revenue du tout dans les opus, voilà, suivant sur PS2. Ouais, et là, en fait, ce n'est pas la Tona, en fait, c'est une Tona d'une autre dimension. Alors, c'est dommage, enfin, c'est pas vraiment... c'est logique, quand on y pense, voilà. Vu le scénario du jeu, voilà. Ça aurait été bien aussi de voir la Tona, voilà, la Tona du... Tona, voilà, qu'on sauvait dans le premier opus, voilà. Donc, voilà, sur ce, moi, je vais m'arrêter là, donc voilà. Donc, je ne sais pas si le masque sera un boss, là, ou... Voilà. Donc, sur ce, ben, n'hésitez pas à vous abonner à faire des vidéos, c'est pas fait, sur ce, plus bye.